C'est l'heure. Mine. Oh. Ils ont dormi des mines. Bon, salut tout le monde, hein, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un truc un peu théâtral. Voilà. Il y a pas mal d'ouvertures d'ailleurs là-bas. Je sais pas si je peux aller y faire un tour. Il y avait tellement d'endroits. Bon, peut-être qu'on trouvera une solution autrement. Allez, on y va. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Bon, il a l'air d'y avoir rien. Oh, zone ouverte, ça c'est pas bon ça. Attention, mademoiselle Jeanne. C'est qui? Oh, oh putain. Vas-y, combat-les. Ah, putain. Bon, on va s'occuper de lui. Attends. Ah, oh, merde. Ça va? Non, ça va pas, j'arrive pas à les toucher. Bon, ça commence bien. Voilà! Pourquoi tu vas me toucher, moi? Oh là 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 là. Voilà, je peux me fighter avec lui? Voilà. Oh putain, mais c'est pas vrai. Et ils sont... Putain. Voilà. Arrête de bouger. Ah, espèce de... Oh bah, d'accord. Ok, allez, je viens de comprendre. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. J'attends votre ordre, mademoiselle Jeanne. Voilà, on va y arriver, on vient de comprendre. Oh la vache, partout. On va y arriver, on va y arriver, ils sont un peu chiants. Mes respects, mademoiselle Jeanne. Joli travail en binôme. Ah, c'était pas évident. Hein. En fait, ils sont pas évidents dans le sens où qu'on soit clair là-dessus. En fait, le vrai souci, c'est que, bah, vous avez compris, ils esquivent beaucoup. Donc, il faut, en fait, il faut taper deux fois, et après, lancer le troisième coup au moment où ils partent. Ce qui est quand même assez pénible. Merci. Je suppose qu'il faut que je repasse là-bas. Vous allez déboucher dans la salle centrale. On se retrouve plus tard. Bonne chance. Ah bah c'était court mais intense, comme on dit. Alors attends. Un mec s'appelle Commandant Doms. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Depuis dans la dernière vidéo, vous avez pu le voir que c'était vraiment parfois extrêmement limite et qu'on se faisait repérer assez souvent. Je vais me mettre là en espérant qu'il ne me voit pas. J'essaye un truc, après ça marche pas, tant pis. Bon bah ça a marché, très bien. Donc là on a une nouvelle sauvegarde. Putain, il y en a partout des sauvegardes.
Bon, j'ai quand même. Je vais peut-être faire un truc, je vais peut-être me recharger parce que là, je suis un peu limite. 50, ouais. Alors. Hop, 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 hop. Ils sont où mes kabobs? Oh, j'ai rechargé à fond. Si je... Ah, attends. Je t'avais pas vu, toi. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire là-bas, mais j'y vais. Ah. Ça veut dire que ça commence. On va sans doute devoir prendre une photo par ici. Voilà, on se régénère. Après, faut avouer que le niveau est pas très. Quelque chose là-bas. Grosse alerte. J'ai pas vu. Attends, on va le laisser se retourner. Voilà. Allez, on continue. Un fusible. Attends, attends, attends. Il y a deux choses. À mon avis, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Ah d'accord, il se retourne en plus. Alors, je serai pas gêné. Alors attends. Il y a une petite. Assistance au binôme. Voilà. On récupère le fusible. Je sais pas s'il faut que je prenne cette. Ah, lève-toi! Raté. Parfait. Ton reportage est incroyable, Shawnee. On grave tout de suite le Iris 514. Je transmets au gouverneur. Elle t'enverra. Parfait. En tout cas, ça se passe plutôt bien pour l'instant. À part, bon, j'avoue, je suis mort, hein, mais bon, hein, on va faire comme si c'est rien passé. Hein. Shawnee, double H, on a bien reçu vos clichés. Vous avez fait un travail exceptionnel. Exceptionnel, à ce point-là. C'est quoi ça? Ah, je me disais aussi, il n'y a jamais de bouton sans raison. Bon, ça y est, on est de retour ici. On va sauvegarder quand même. Voilà. Petite sauvegarde tranquille. Et après, on va rentrer. 5h37, 5h41, c'est ici. En fait, quand il était petit, Doublage, on lui a dit utilise ta tête. Mais je crois qu'il n'avait pas compris ce que ça voulait dire en fait. Bon, voilà, les douves intérieures. Identification compte. Ok. Ah, moi je prends parce que. Starcos, régénère votre énergie d'un cœur. Voilà. Oh, les mines sont revenues.
Attends, j'ai un... Les sections Alpha et les DOMS dirigent les enlèvements. Reportage exclusif. On a fait au plus vite. Voilà le code. Parfait. Après, il faut qu'on rentre, en fait. Ok. Ah ! Oh, joli. Ça, c'est pourquoi il y a une... D'accord, c'est juste une crevasse pour faire une crevasse. Attends. Parce qu'avec 3, c'est quand même pas évident. Donc là, il y a la grille. Ah oui, il faut passer par là. Sorte Jade, faut sortir. Alors, c'est ici. Attends, le code c'était quoi? Voilà, je me suis arrivé comme ça. MCD5. M7D5. Le gouverneur prend vraiment des risques. J'espère qu'on pourra la remercier un jour. J'espère aussi. Mais pour l'instant, nous devons retourner à Iris. Il faut faire le point avec l'équipe. Ouais. Eh bien, Terminator. Enfin, Robocop. Ah ! Aïe ! J'avais pas vu les mines. Là c'est quoi? D'accord, c'est là pour sortir, t'imagines. Ah, il y a une grille. Mais elle est pas ouverte. Étonnant. Bon, c'est pas grave. Bon, finalement, c'était sympa. Donc, c'est pas ici. Ah, attends. Là, c'était l'ouverture, donc ça veut dire que c'était là. Voilà. On va faire la course numéro 3 parce qu'on n'avait pas terminé la course numéro 3. Elle est où la course? Sortie. Voilà, elle est là. On va essayer de faire la course numéro 3 parce que de toute façon, le héros Iris, le réseau. Les trouillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot! Oh putain, j'aurais dû sauter. Allez. Oh putain. Oh, ça rame un peu. Faut que je pense à sauter. On est quatrième. Allez. Il m'a percuté, je crois. Ah bah.
On n'arrivera pas à être proche. Ah! On est pas loin en plus. On va y arriver, hein, on recommence. De toute façon, on a le temps. Hein. Les trouillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot! Allez! Oli! On va y arriver, on va y arriver. Oh, c'est un côté gadget de retirer dessus. Allez! Ah, c'est un dépassement parfait. Oh, il est où l'autre? Bah, il est où? Ah, je l'ai vu, ça y est. Ah, mon coquin. Je sais pas si j'arriverai à l'avoir. Ah, si. Faut juste que je l'ai. Allez. Allez. Oh, l'enculé. On n'est pas loin. Putain. Alors commence. Eh, on est à quoi? 10 centièmes. 10 dixièmes. Le mec, il aurait pas fait ça, je l'ai. Les gonzesses et les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot. Ouais, que double H parle pas après là. C'est très typé arcade. Hein. Voilà. On a bien fait un bon départ là. Allez. Oh putain. Oh joli. Oh je vais la voir. Allez. Oui. Allez, il reste 1 tour et demi. Allez. Oh putain. On va y arriver. Dégage. Je suis pas un petit nouveau, je suis la nouvelle Lewis Hamilton. Pousse-toi. Allez, on va y arriver. Je sais pas si les records ça sert à quelque chose. Et de l'argent. Attends, on l'a déjà pris. Bon, allez, on peut y aller. Salut Jade. Petit rappel, ma perle fétiche est toujours en jeu. Ah oui. T'as peur de te faire la... Oh. Alerte générale. Déployez les boucliers. Activez les barrières de protection. Oh. Il y a un junior. Ça va être rapide. Hein. Ok, ne lâche pas d'une semelle. Fichez.
Ça sert à rien de faire ça. C'est tout simple comme ça. Et si vous pouvez te retourner. Ok, j'ai un visuel. Calme-toi, la chenille. J'aime bien. Là, bouge pas. Ah putain, ta mère! Oh putain, quelle connerie! On va aller sur l'autre côté de toute façon. On va attendre qu'ils reviennent parce que ça me fait coûter des trucs ces conneries. Oh putain. Oh! Oh, c'est joli. Ah, je commence à comprendre le riz. Voilà. Le serpent de mer, tops. J'ai que 10 perles, putain. Ah, fait peu. C'est pas avec 10 perles que je vais réussir à avoir des choses. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, je crois. Bon, il y a la perle de Rufus, mais... C'est où, ici? Canal principal. Regardez. Bops, kabops. Allez, on y va. Et regardez, ça a bien évolué. Hein. Alors. Oh, tu dis quoi maintenant? Toi aussi, tu es Carlson et Peter? Ilien, debout! Tous avec Iris! Ilien, debout! Tous avec Iris! Oh, il y a... Attends. Ah, c'est une étoile. Je dirais pas ce que c'est comme étoile parce que ça arrête d'être mal perçu. Il n'y a pas un truc par rapport à... Attends. Au sommet d'un volcan dans le cratère. D'accord. On peut aller voir. On ira peut-être voir, mais bon. Bon, il est quelle heure, là? Il est... Non. Oui. Je vais voir si je... Ouais, mais... Identification compte. Ok. Je vais voir si je mise, ça fait quoi? Alors, attendez. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Milieu. Gauche. Milieu. Gauche, je dirais là, parce que je suis fort, mais je me surprends moi-même. Ah, si je pouvais, je me ferais l'amour à moi-même. C'est un peu bizarre dit comme ça. Bon, on va aller voir là-bas. Bonjour les enfants. Ah, Jade, double H, vous tombez bien.
Nous vous attendions. Il y a quelqu'un qui tient à vous rencontrer personnellement. Madame le gouverneur, permettez-moi de vous présenter notre... Oui, nous nous connaissons déjà. Par email. Sachez que votre aide nous a été précieuse, gouverneur. Je crois que sans les codes, on n'aurait rien pu faire. Je suis ravie de pouvoir faire enfin ta connaissance, Jade. Tes reportages ont eu beaucoup d'effet sur la population. Encore un petit effort, et je suis certaine que nous pourrons compter sur le soutien de tout Illys pour chasser les sections Alpha et les Doms. Tiens, ceci te sera utile pour continuer le combat. Merci. Ça nous aidera à retrouver ceux qui ont disparu, s'il n'est pas déjà trop tard. Oh. Scanalyse. Le chef, il est vivant. C'est incroyable. Votre chef, il avait disparu? Enlevé par les sections Alpha. Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Marcassin appelle Iris. Marcassin appelle Iris. Mais c'est mon oncle, Paige. Ton oncle, notre chef. C'est une voix, mon gars. Il communique toujours avec vous par radio. Sécurité oblige. Jusqu'à ce jour, personne ne connaissait son identité. Paige, c'est toi? Il ne peut pas t'entendre, Jade. Taisez-vous tous, il va rappeler. Plus un bruit. Marcassin appelle Iris. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils sont partout. Ils m'ont embarqué sur la Lune. Voilà mes instructions. Communiquez ce message à Jade, votre nouveau reporter. Jade, lis le M10 que je t'ai laissé et trouve le vaisseau. Lis le M10 qui trouve. Ils arrivent, Jade! Il t'avait donné un M-disque? Juste avant de se faire prendre. Écoute, Jade, ce vaisseau est providentiel. C'est l'élément qui nous manquait pour notre plan. Si tu le trouves, nous avons une chance de réussir. Paige est prisonnier sur la Lune, probablement avec toutes les autres victimes. Il faut aller là-haut. Nino a une idée, il va nous l'expliquer. Ils utilisent un émetteur longue portée pour diffuser leur propagande depuis la Lune. On pourrait vraiment frapper un grand coup en diffusant tes reportages sur leur propre écran, via l'émetteur lunaire. C'est un excellent plan. Vous trouvez le vaisseau de Paige, vous allez sur la Lune, vous bouclez le reportage, vous prenez le contrôle de l'émetteur, vous diffusez le reportage, la population se soulève... Et c'en est fini des sections Alpha. Oh le regard. Et qu'est-ce qu'en pensent Carlson et Peter? Ils disent que c'est de la folie pure. Mais moi, je dis que c'est du gâteau. Et pourquoi tu mets ton casque? Merci Van Topper. Bon, ça va pas être suffisant, je crois. Pardon, double H. Les terroristes du réseau Iris ont porté des accusations diffamantes contre les sections Alpha. Les prétendues preuves... Frontomontage. Ah oui, carrément. Tu peux te pousser, s'il te plaît? Merci. On va aller voir là où il y a... J'ai déjà vu un interrupteur étoile. Quartier Est, derrière la fontaine. On va aller voir là-bas, qu'est-ce qu'il y a. OCPLB, on casse pas le binôme. Alors, qu'on soit clair, hein, si jamais ça prend trop de temps, on annulera, on fera la prochaine fois. Hein. Après, vous pouvez être surpris, mais c'est vrai que 6 heures de jeu, ça peut paraître peu. Mais pour un jeu de l'époque, c'est pas un RPG, mais c'est un jeu, voilà, c'est un jeu classique. Et il faut pas s'étonner à ce que ça soit si court. Hein, la durée de vie d'un jeu de base, avec vraiment une grande polyvalence comme ça, c'était une dizaine d'heures de jeu. Hein. On va se terminer sans doute à 10 heures de jeu, ce qui est quand même assez bien. Après moi je pars toujours du principe que c'est pas le temps qui compte, c'est l'expérience de jeu. Alors fais voir. Cet ascenseur mène à leur QG. Ne vous faites en aucun cas repérer, ils seront sans pitié. Je vais regarder s'il y a... Sinon on fera la prochaine fois. Je vais trouver un moyen de vous rejoindre. Faites attention à vous, mademoiselle Jade. Bon, la joie et la bonne humeur, comme on dit.
Alors, juste un truc, mon gars. C'est bien d'avoir fait une zone assez longue. Est-ce que tu oublies juste un détail? On va regarder si on peut le faire en une traite, sinon. Ouais, y a lui qui va poser problème. On va attendre tranquillement. Ouais, c'est un peu comme le même délire que ce qu'on avait fait la dernière fois. Oh, on peut le faire comme ça. C'est mignon. Ouais, bah ça m'aurait étonné, tiens. On va attendre. Regarde un peu où il faut aller. Bon, attaquer, ça sert à rien. Non, il n'y a rien ici. Je suis à tâtons, hein. Je pense qu'on fera au prochain épisode. Ben non, lui, il va viser là-bas. Si je passe par là-bas, je vais me faire défoncer. À moins que je fasse ça, technique que j'ai faite. Ah, il y a une échelle, je viens de la voir. Ah, il faut accélérer là, mon gars. Putain! C'est pas une échelle? Bon, on se revoit au prochain épisode. Allez, bisous, ciao! Putain, c'est pas une échelle!